Ah mais bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour un nouveau bulletin d'information. Au sommaire, David Eto'o se confie sur sa carrière footballistique. Très populaire et actif sur les réseaux sociaux, Eto'o a une personnalité un peu atypique et comparée à son frère aîné, Samuel Eto'o fils. Contrairement à son frère qui a eu une carrière footballistique réussie, David Eto'o a eu des difficultés à faire décoller la sienne. Même s'il a fréquenté plusieurs clubs en Europe et au Cameroun, avec aussi quelques sélections d'équipe nationale, David Eto'o n'a pas pu avoir le succès escompté en football. Revenons dans une interview accordée à la présentatrice et journaliste camerounaise Audrey Njoya, l'ex-footballeur international camerounais David Eto'o a donné les raisons qui ont fait qu'il n'est pas pu avoir une carrière réussie en football. Il dit « Je suis passé à côté de ma carrière footballistique à force de faire la fête, mais je ne le regrette pas. J'ai signé mon premier contrat pro à l'âge de 17 ans, j'étais très bien entouré, mais je n'avais pas le sens des priorités », a-t-il indiqué. Rappelons que David Eto'o séjourne actuellement en Côte d'Ivoire à Abidjan et devrait vraisemblablement entamer une tournée sur les médias. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.